double événement ce dimanche à Nzeudji dans le département d'Alepe. L'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de la dite localité. Son nom, le père Urbain Agbasipo. Il a été installé par Mgr C.K. Pascal Tardé, une célébration marquée par une profession de foi, la remise des clés de la paroisse et le serment de fidélité. Dans l'exercice de ma fonction pastorale de curé de la paroisse Saint-Joseph de Nzeudji, je promets de rester toujours en commune avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai mes devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. L'occasion pour Mgr Pascal C.K. d'exhorter le nouveau curé à être un prêtre à l'image du Christ en se mettant à la disposition de la communauté sans discrimination. L'autre temps fort, l'érection de la chapelle en paroisse. Aujourd'hui, en mettant Dieu devant toutes choses, on croit que vraiment on pourra être devant. Puisque nous sommes de la relève de tout, que ce soit la nation, l'église, c'est les jeunes qui sont devant. Voilà, donc vraiment inciter tous les jeunes vraiment à suivre Dieu. Pour le travail d'évangélisation abattu, certains catéchistes et pionniers de la paroisse ont reçu des parchemins. Il faut rappeler que le nouveau curé de Nzeudji a été nommé en juin dernier par l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutouin.